Mes cafardinos, bonne nouvelle aujourd'hui, il y a D2 qui arrive. Donc tout le monde me lâche un putain de pouce bleu sur cette vidéo parce que vous allez grave être content. Moi en tout cas je suis content et les trucs je suis moins content. En tout cas là on est sur mon site malexcsgo.fr. Venez faire un tour, c'est le live, les vidéos, le matos que je conseille, les claviers, les souris. Tout est ici, activez la petite cloche en bas à droite. Il y aura 4 giveaways à la fin de la vidéo pour tous ceux qui activeront la cloche en bas à droite là, bam, avec mon doigt ici. Allez maintenant on passe à CS et D2. Donc ils ont changé rien du tout. Voilà pourquoi je suis déçu. Mais tout à la fois, les textures ont changé. Il y a une plus grande visibilité et tout sur la map. C'est vraiment cool. Donc là on est directement sur le BPA. Et grosso modo bah, vous voyez que tout est plus large, beaucoup plus éclairé, lumineux. Donc meilleure visibilité. Là dans le trou vous voyez bien qu'on peut voir directement. Et pareil dans le sens inverse si on regarde le BPA. Grosso modo, les portes ont changé, on peut wall complètement, mais tout est plus ouvert. Tout est vraiment beaucoup plus ouvert. Ça laisse des possibilités aussi au nouveau le garage ici. Un AWAP avant, s'il était là, il prenait un kill, il était dans la merde. Alors que là, maintenant, il pourra peut-être reculer et un peu foutre le Zbul en se cachant, restant comme ça, en faisant gagner du temps au backup. Et vous arrivez, vous flashez, tout est plus ouvert. Vous voyez, c'est les flashs là, mon dieu. Il va y avoir plein de mecs blancs, je vous le dis. Donc toutes les portes maintenant, on peut les wall. Vous voyez, plus de visibilité de partout. Regardez, il n'y a plus les échafaudages au spawn terreau. Donc on peut clairement se faire kiffer. Vous avez le nouveau suicide avec un petit brick ici. Vous pouvez vous booster peut-être et avoir une visu à la WAP. Clairement, regardez, juste à la K, je vois les mecs au fond qui passent. Donc la visibilité maintenant elle est quand même top. Moi personnellement j'ai pas de perte de FPS encore dessus. Donc ça c'est positif. Mais bon j'ai une bonne config. Voilà l'ancien forum. On peut aller se cacher derrière la voiture pour aller écho. Là maintenant il n'y a que des poubelles. Donc pour monter voilà, tout le monde pourra monter avec facilité. Alors qu'avant il fallait faire un petit tricks. On va dire comme ça, ils ont rajouté des escaliers ici. Aucun intérêt. Le nouveau tunnel, pas d'ouverture. Un peu déçu. Et il y a une skybox de l'autre côté, donc on peut rien voir. Voilà le tunnel. Encore une fois, il n'y a rien. Il n'y a rien qui a changé. Tout est aux mêmes emplacements. C'est comme Inferno, quoi. Ils ont. Voilà, là, y a ça. Et peut-être ici, avant, on pouvait, mais. Non. Non, on peut même plus monter ici. Peut-être se boost rapidement là. J'ai aucune idée. Là, ils ont mis une fente ici en mode. Peut-être pour une pose cachée. Pas aller derrière, là on est bloqué. Voilà le spawn. Là le passage a été facilité, je pense. Ou pas. Non, c'est toujours la même merde qu'avant. Ouais. On peut toujours booster ici en haut. Là on peut pas courir dessus, c'est dommage. Ça aurait peut-être apporté des possibilités. Là il y a un échafaudage ici avec une meilleure pose. Donc là c'est peut-être pas mal pour contrer les 3-2B et tout. C'est vraiment cool. Ici on peut se cacher derrière le camion beaucoup mieux qu'avant, regardez. Donc si on est CT, qu'on veut aller écho une arme ou quoi, qu'on se fait courir dessus par les terreaux, on peut prendre un kill, se cacher, prendre un kill ici et tout. Ça va ouvrir un peu des possibilités, je trouve ça cool. La lucarne, moi je kiffe de ouf, beaucoup plus ouverte. Genre on peut, tu vois, des petits kills à prendre là, c'est cool. Pareil, là ils ont ouvert... Enfin, tout peut être wall, donc ça va offrir des possibilités. La voiture, avant c'était un grand bourbier, alors que maintenant on peut voilà, se mettre là, se cacher, prendre un petit kill, avoir un peu de mobilité et se sauver la vie. Alors qu'avant tu te mettais là, t'étais limite mort, on va dire ça comme ça. Là t'es clairement caché et tout. Donc je trouve ça pas mal. Il y a des nouvelles possibilités, mais ils ont amélioré. Franchement, ils ont amélioré l'ancienne D2, c'est pas trop mal. Je m'attendais à mieux en termes de passage, etc. Mais franchement, je suis un peu déçu. Les flashs ne passent pas. Là, il y a la skybox, hop, qui rebondit. Donc, ça sert à rien d'espérer qu'elle passe et que le mec au-dessus de lui soit tout blanc. Voilà, regardez, très très grandes ouvertures. On kiffe vraiment. On va aller faire un tour corniche, on n'y a pas été. Donc là, voilà, c'est le top mid. Avec, là. Voilà, pour prendre des petites coupes. Franchement, ils ont tout agrandi. Ils l'ont amélioré sans grand... Voilà, là on peut pick mid et en étant vraiment caché du bécourt et tout machin. Voilà, le kill bécourt sera vraiment... Là il y a une petite rampe. Hop, on peut pas courir dessus, c'est dommage.
Voilà, le VP est très 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 éclairé, très lumineux. Donc franchement, moi je trouve ça cool. La map est cool, je suis vraiment content qu'elle revienne dans le map pool parce que le map pool me plaisait absolument pas. Il y avait beaucoup trop de maps. Nuke Overpass, train, tout ça, c'est vraiment que des maps ultra CT et tout, avec très peu de possibilités. Là, D2, ça va vraiment apporter beaucoup plus de possibilités de faire des dingueries, voilà, des matchs plus à sens unique, quoi. Une équipe forte qui était sur Nuke, elle défouraillait tout le monde, alors que maintenant sur D2, c'est vraiment beaucoup plus aléatoire, comme ça l'a toujours été en fait. Voilà. Voilà, ici on pourra plus monter pour prendre son petit kill fouini, je pense. Comme ça, enfin, on est vraiment vu de l'autre côté avec la luminosité derrière et tout. Sinon, la map, vraiment, je kiffe. Donc voilà. Et là, il y a le voisin qui s'est mis à faire de la perceuse. Donc c'est vraiment le bon timing de s'arrêter. Donc je vous donne le giveaway. Il y aura 4 gagnants. Donc voilà les 4 skins 1, 2, 3 et 4. Donc une AK StatTrak avec les petits stickers Epsilon. StatTrak. StatTrak. Et pas StatTrak. Activez la cloche sur mon site internet malexsgo.fr et je serai à la Paris Games Week comme l'année dernière. Fuck le voisin!